Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Namikoa, ses amis nous merci Dieu. Yon l'autre fois n'a dit merci. Merci ou faire nous confiance pour capable informer ou. Merci pour fidélité ou à patience ou. Merci d'est-ce que vous like ou pral quitter yon commentaire en bas vidéo a. Merci d'est-ce que vous pral partager, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur channel là, n'a dit bienvenue et si vous remettez travail qu'a fait là, pas hésiter à abonner pour aider nous grandir, activer la cloche là pour pas jamais rater une vidéo. Heures du matin, démarrez journée avec Mega Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province tant pour votre prix. Dans la diaspora, à tout l'autre côté sous la terre. Mega Matin, journal créole Radio Mega, côté vérité son priorité. Mega Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations de tout l'autre côté. Studio Pétionville. Invitez à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi, c'est lundi 28 novembre 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toujours avec un même plaisir. Même pour que nous capable pour débattre nos premiers paraître journal Mega Matin sur antenne Radio Mega. Et semaine dépassée, un très bon week-end. Déjà, un très bon lundi et une très bonne semaine d'information sur antenne plus gros réseau radio haïtien dans le monde. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti. Sambabli, on l'a trié collaborateur dans Miami. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon la journée, lundi, messieurs, bonne semaine. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça veut dire que nous avons développé dans le journal là pour matin, lundi si là, vendredi à la, Negaxam assassiné directeur Académie Polistan, commissaire divisionnaire Ariton Rigo, dans la même zone Académie en Soutrait, bah, du rivière aller avec machine commissaire et puis tout chauffeur qui est ensemble avec lui. Dans une note, nous mettons de la police nationale à faire qu'on ait mobilisé toutes les ressources pour permettre d'arrêter tout le monde qui est coupable dans Zaxila, PNH avoué, c'est parti le bail famille, amis, c'est tout 7e corotte, élève commissaire. Ariton Rigo t'a formé. Syndicat national policier ici au Bayrou, comme la police responsable assassinat à sa cause, pas de gens prennent disposition spéciale pour sécuriser zone académie. Malgré alerte, Sinapoa a été lancé. Ça fait au total 50 policiers qui mourent sortis janvier jusqu'à 25 novembre 2022 selon Sinapoa. C'est pas seul commissaire Rigo qui tombait dans le week-end, a battu assassiné tout responsable Emile Maquette là avec tout petit garçon le samedi passé à sous route Juvena. T'es une grosse tension sur sous frontière Beladel, on va mettre hier dimanche là côté société civile là, t'as tenté refermer barrière qui relouvrit hier dimanche. Toute activité ça reprend en deux pays suite à une visite à délégation gouvernementale fait dans la zone pendant le week-end passé. Pour la plateforme société civile Wana maintenant, Jonel Germain accusé délégation qui gagne en tête du chef cabinet ministère intérieur pour la révolte qui utilisait mercenaires contre bandier pour ouvrir barrière avec force. Directrice départementale environnement nord-est dans Widlin Pierre qui fait partie de plateforme société civile a annoncé il remet démission dans poste ça pour prendre position plutôt bon côté population qui a dénoncé agissement autorité dominicaine et situation avec conscience patriotique moins pas permettre de continuer sa vie nous l'état qui préférait l'agence sous la vie citoyenne déclaration Widlin Pierre. Pour continuer de dénoncer agissement gouvernement dominicain plusieurs organisations tant que GAR, APK, ALBA annoncé au match pacifique demain matin il y a démarré sous champ de masse pour le bout devant l'ambassade dominicaine à Pétionville. Chargé d'affaires, monsieur le secrétaire d'état américain Brian Nichols a passé le dossier Haïti encore. C'est ça, Zoom Haïti News a rapporté. C'est Christopher Dodd avec Jonathan Powell. Département d'État choisi pour continuer Chita avec Acte Haïtien pour jouer une solution à crise. Des diplomates ça déjà Chita parlé avec un secteur privé haïtien selon même agence Presila. Groupe concertation politique qui a cherché compromis politique annoncé. Vous mettez sous côté certains acteurs politiques qui ont bas sanction au pays États-Unis et Canada. Ils ont une décision qui vont pour éviter amalgame d'après Valérie Dutré-Jacques qui a encouragé acteurs. Au proche
mais la justice pour défendre tête. Conseil société civile haïtien lui-même exprimé tête chargé le gagné devant crise qu'a persisté en payant. Joseph Domingue Orjuela suite à acte politique au froid ça mettait tête ensemble pour joindre une solution à crise si la que pays a prôné depuis quelques temps. Pour ça, on a trié les autres après le fait essentiel. Premier paraître journal méga matin pour semaine, non mais pour matin lundi 28 novembre 2022. Mais là, vous ne démarrez journal avec un rubrique à traverser. Hein, pour nous connaître ce que nous sommes capables de traverser l'entrée sud de capitale pays en sous national numéro 1. Hein, zone sorte Casobolacouane, Carrefour-Bessa, Carrefour-Douillard. L'entrée nord-pays, Pigo-Bidonville pays à Cité-Soleil. Commence à une bonne partie dans Croix-des-Bouquets, sur Delma, dans Pétionville. C'est prêt à aller comme ça avec un essai de traverser nous. Nous avons pour nous faire même exercice dans diverses villes, provinces. Nous avons l'idée pour nous capables de porter pour information. Nous avons regardé là tout, commence à une affaire. Rubrique Primanger pour matin, pour des collaborateurs nous Abdias Aristide pral mener nous là dans le marché Akaye pour matin. Et dans fait journal là tout n'a gagné combien nous pral connait combien goud n'a besoin pour dollars américains selon BRH pour matin lundi 28 novembre. Pas virer bouton radio, arrêtez là ou sous Radio Méga. Vous pouvez suivre journal Méga Matin. Le journal Méga Matin, c'est nouvelle nous bail. N'a retourné dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'offre Fonjac capable de traverser sur Thomas de Sarayo à Biasaristil pour apporter réponse avec question ça pour nous dans les dépôts capables. Mais nèg exam qui passe dans Mété, Andidlo, Nangé, institution de la police, non, parce que c'est presque chaque jour qui passe, ou tendez, mais l'issue policier qui victime en babal nèg exam l'a allongé. Nous t'ai dit ça déjà dans la nèg exam assassiné vendredi 25 novembre 2021. Inspecteur divisionnaire Ariton Rigaud. Monsieur, c'est un gros gradé dans la police, non? Et lui est pas trop loin, Académie Police, en zone ça, plus précisément devant local, l'école la magistrature Route Frélan. C'est là que lui-même était trouvé que nèg exam tapral éteint la vie. Mais inspecteur divisionnaire Ariton Arrigo, assassinat inspecteur a provoqué une grosse tension, gros la peine en amitant gros commandement la police, non? Et la caille famille et inspecteur a qui eux-mêmes. Les yo apprennent nouvelle ça et bandi ça après fin commettre action ça qui pas trop l'académie police et nous apprennent que semble ta même aller avec machine et même chauffeur qui est dans machine ensemble avec inspecteur divisionnaire Ariton Arrigo selon information situation jeune dian qui pas suspendre créer en pile la pérèse la camp pile moun et la caille on dit de policiers qui en dedans la police. C'est sous le même dossier ça, une institution PNH qui réagit suite avec Zaxila. On fait l'exil bien rapide dans notre la police nationale d'Haïti a dit profondément attristé. Une autre fois encore à cause de disparition brutale et puis choquante, directeur Académie nationale police, là, commissaire divisionnaire Ariton Rigo, qui est lâchement assassiné, nèg exam qui était assassiné vendredi après-midi, vendredi qui était 25 novembre dans pénible circonstance, direction générale PNH a partagé douleur avec la peine famille commissaire divisionnaire Ariton Rigo, en particulier madame Niak Petitli, collègue à travail dans l'académie police, là, 7e corotte, élève commissaire qui est en formation. Tout proche par un ami qui est touché à cause des pas inattendus. Ça, institution invitée. Et avec courage et puis assurer que la police nationale l'a fait mobiliser et a toutes ressources nécessaires pour que Zaxa pas été impuni. PNH là, pas manqué, pas fait effort, l'a fait un pile d'effort là jusqu'à ce que auteur, co-auteur, complice Zaxa Silla capable répondre Zaxa Lifeu devant la justice et qui continue à aider la population qui a mis d'aide dans la population haïtienne. C'est directeur général AIH PNH à Foncel Bekissier en bas de notre silla. Toujours dans le même dossier assassinat, inspecteur Ariton Arrigo, gagné syndicat national police ici au Sinapoa qui mettait en note de yon concernant dossier assassinat ça. Mais syndicat national police ici au Sinapoa dit au sortir indié sur situation insécurité que le pays a fait face à depuis ce passé là. Dès l'année, en situation qui la cause en pile monde mourir dans le pays hein, et même policier pas épargné face avec la situation ça. Syndicat national police ici dit au condamné assassinat
commissaire divisionnaire Ariton Rigo, responsable Académie nationale police. Une action qui est posée là, qui part trop loin, établissement qui c'est l'école académie police, et qui est adouée en zone qui gagne haute sécurité, qui est adouée toujours gagne sécurité dans zone ça pour permettre que le monde capable de fonctionner, surtout policiers ou qui fréquentent zone ça en pile. Mais ça fait plaisir moi que Sinapoua lui-même l'a attiré attention au état-major, la police nationale, là, pour capable qu'en responsabilité pour limiter question insécurité qui vient là, pour empêcher que police suspende victime, pour empêcher tout de citoyens de la société civile, les mêmes victimes, en babal à bandit, et la police recommande la police hein, qui n'est pas vraiment prendre des dispositions pour mater problème ça, mais pour capable et gérer situation. Si la syndicat lui-même, syndicat national policier haïtien au Sinapoua, les dit que les attristés en pays là, devant la mort gros potorique garçon ça, qui c'est commissaire divisionnaire Ariton Rigo, qui vient ajouter, ben, qui vient longer l'issue policier qui victime dans l'exercice à fonction yo, sorti 1er janvier 2022 pour arriver jusqu'à 25 novembre 2022. Syndicat lui-même, selon ça qui dit, ben, côté responsable dans Sinapoua, le fait qu'on est là, il y aurait censé 50 cas assassinat policier, qui doit bien 50 policiers selon ça on dit, sorti 1er janvier arrivé jusqu'à 25 novembre qui c'est assassinat commissaire divisionnaire Ariton Rigo. Sur le frère, il dit que pendant l'année 2022, Sinapoua a déploré et puis dénoncé en même temps tout comportement et on dit les pervagues à l'état central, ensemble avec le état-major policier lui-même qui n'est pas vraiment élaboré, ça n'est une disposition là, pas prendre de mesures un plan sécurité pour garder comment capable contrôler zone axienne Académie nationale policière, école nationale policière et puis école magistrature là, pour qui considère aujourd'hui là comme un espace qui est très important, mais tout zone ça qui vient dans zone rouge avec de nègres qui a opéré dans zone torselle peignée tout en laisse là. Dans le cas ça, syndicat lui-même livre toute sympathie dans les familles, collègues, amis qui affectés par l'homme et policier Ariton Rigo, et puis exiger responsable prend toute disposition nécessaire qui adéquate pour capable empêcher que c'est de l'action, c'est de l'assassinat, ça continue à répéter sous policiers frères d'Amnio et sous le monde dans la population civile. En gros, c'est ça, Sinapoua lui-même l'a dit à travers notre public, ça que le mettait dehors, dans la date qui était dimanche 27 novembre 2022, c'est comité central Sinapoua qui signe en bas notre sympathie. Si là, on a toujours été dans le dossier insécurité, nous prenons avec Zaxa qui fête samedi en sous route Juvena, dans la commune Pétionville, dans l'examen qui est propriétaire Émile Maquette dans Pétionville samedi 26 novembre. Nan. Papa et petite, c'est Fouad Abed qui c'est papa et puis Fouad Abed Junior. Tous les deux, ils ont recevoir plusieurs balles. Malheureusement, ils n'ont pas arrivé vivre. Fouad Abed et puis Fouad Abed Junior, ils ont mouru. C'est papa et petite, ils ont assassiné. C'est Negaxam qui a assassiné au samedi. Deux responsables, Émile Maquette, ils ont subi une attaque armée. Action, ça a été faite dans la rue Aubrin, dans la commune Pétionville, samedi après-midi, samedi qui était 26 novembre, ils ont recevoir plusieurs cartouches, ils ont été transportés en urgence dans un centre hospitalier pour capable recevoir soins qu'ils ont mérité. Selon information, papa qui était conduit dans l'hôpital d'Ache, dans la rue Aubrin, et puis petit là, ils ont été menés bien rapide dans la clinique Santé Lambert, qui est dans la rue Lambert, des institutions médicales, ça, qui est dans Pétionville. Fouad Abed Junior était blessé en balle dans le niveau d'Oli, projectile a été coupé artère sanguine. Pour ce côté par le Fouad Abed qui c'est papa lui-même, lui te recevoir balle dans le niveau abdomen ni papa avec petit là, mais il est tombé en bas blessure. Yo l'autre bon, après yo te fin exécuté deux membres non seul famille ça bandi yo te gentan pour yo te gentan sauvé et puis yo allé avec machine qui machine côté Fouad Abed et puis Fouad Abed Junior te ya yo allé avec machine deux victimes yo. N'a toujours été dans le même dossier ça, question anti-criminalité, mais la police qui est même tout mené des opérations tout pendant le week-end là. La police qui mène des opérations dans la CAI citoyen ça, qui est les Joël Kaoli, dans la ville Jacmel, vendredi qui était 25 novembre 2021. Mais la police nationale d'Haïti confirmait que Joël Kaoli, que les jeunes arrestations dans la ville Jacmel, département sud-SAP d'Haïti, vendredi qui était 25 novembre 2022, par ses bureaux, lutte contre le trafic stupéfiant, c'est agent BLTS qui a même été
Almen opération ça et qui posait la patte sous Joël Kaoli pour question de détention illégale armes de guerre à camunition. Mais pas d'arrestation ça aux jeunes deux fusils de guerre la caille à Joël Kaoli, un fusil Smith Wesson modèle MEP 15 série SWV 7506 calibre 5.56 mm et puis deux chargeurs Garni 47 cartouches, le jeune fusil modèle SMG série 09-35, deux chargeurs Uzi Garni 52 cartouches calibre 9 mm, selon ça qui dit bon côté la police à travers une note. Il fait qu'on a tout le jeune un bâton télescopique, un pistolet calibre 9 mm série FXL 824 Mark Glock 17 et deux chargeurs qui remplit avec cartouches, un chargeur 14 cartouches et l'autre 16 cartouches encore au jeune calibre 9 mm, trois bidons gaz lacrymogène et deux Mark CS et un lot Mark 112 CN et deux boîtes cartouches 12, Young 17 cartouches et l'autre la 25 cartouches. Selon ça, qui dit bon côté la police, Joël Kaoli Poukounia, après arrestation le vendredi 25 novembre, Poukounia, M. placé dans garde à vue, la préponde question autorité judiciaire sous question arrestation ça et qui exactement là qui fait vendredi quitté et 25 novembre 2021 qui ça qui dit bon côté responsable dans niveau la police nationale d'Haïti. Notre direction Wanamet suite avec un mouvement ça qui termine depuis plusieurs jours dans Wanamet pour dénoncer façon autorité dominicaine a déporté haïtien yo ayé en côté gen gros escombrite sous frontière Wanamet d'Abonne après autorité haïtienne yo té exigé relouvrir pour relouvrir barrière la société civile Wanamet n'a été fermé depuis plusieurs jours pendant toute journée en commerce entre DP yo té recommencé l'après-midi plateforme société civile ça a été organisé un marché pour m'a défermé barrière yon l'autre fois un pile bas la gaz lacrymogène té tiré dans moment ça protestateur pas trivé atteindre objectif yo tout de suite après yon mess t'es chanté sous pont rivière massacre là un signe solidarité à haïtien yo qui passe suspend victime dans pays république dominicaine. Information toujours dans le journal Méga Matin, j'entendais à la situation lui-même qui passe suspendre bien a pas augmenté chaque jour dans différents domaines dans société haïtienne non mais l'affaire qu'on est là avant marche ça plateforme société civile on a maintenant pour soi les mêmes débats en conférence sur la presse dimanche qui était 27 novembre non pour dénoncer autorité haïtienne qui décide d'utiliser la force pour l'ouvrir barrière on a mettre d'abord suite à la visite délégation qui gagne en tête li Paul Henri Voltaire qui s'est chef cabinet Ariel Henry dans le ministère intérieur, il était fait dans Wanamet. Paul Henri Voltaire était fait qu'on est la frontière pas qu'à continuer à être fermée à cause de gros enjeux économiques espace représenté pour deux pays. Il y en a pas de parole pour soi qui c'est Dionel Germain. Il fait qu'on autorité a utilisé certains contrebandiers qui ont même payé un groupe mercenaire pour péter barrière. Parole Dionel Germain que nous invitons de coutil dans le micro-journaliste confrère nous qui était sur place. Un moment. Les barrières sont des, même Santiago Rivelonza, à travers l'autorité qui n'a pas su là, en République Dominicaine qui nous gagne, demandez nous chita. Nous te dit, même en temps de guerre, nous parlons avec tout le monde, mais pour nous parler, condition sine qua non, il faut que nous fassions une excuse publique, au moins pour parce qu'elle crachait sous mémoire en cette nous, ou parce qu'elle crachait sous dignité nous comme peuple, comme nation. L'IPA décide de faire ça. Et de l'autre côté, nous avons l'État central qui a fait pression sur nous, qui a intimidé nous, qui a une délégation qui s'est pas révolté, qui est dans la tête de la délégation ça, qui sorti. Et Port-au-Prince avec Wod Belval, Wod Pueval, Mounsa a sorti Port-au-Prince, ils ont débarqué tout protège qui est dans la police là pour débarquer Wanamet, pour venir chita avec nous. Ils ont dit nous, je nous voulais, il y a pour vous qui cherche. Égal que bon enjeu économique qui là. Nous-mêmes, nous te disons, est-ce que enjeu économique est plus important pour le pays que les compatriotes nous, ils ont violé les droits, ils ont violé les femmes, ils ont déporté les femmes, ils ont quitté maman, ils ont pris les gens, et ils ont blagué de tous côtés de la frontière. Non, c'est ça. Nous te disons, l'État, directeur de CPA qui est venu, il te dit, lui-même, il a force pour débloquer les frontières, quitte nous voulons, quitte nous pas. Nous te dit, l'État qui a un monopole violence là, il doit toujours faire, mais nous-mêmes, ces populations, on n'a pas accompagné. Quelle que soit sa population en blé, on a continué à faire. Non, c'est ça, ils ont décidé d'aller sous frontière. Les magistrats arrivent l'on, pas voulu faire excuse publique, ils disent pas des gens qui disent ça.
autorité nous yo traversé une fois encore yo craché sous mémoire ancêtre nous yo traversé en République Dominicaine pour y aller c'est yo qui a demandé pardon représentant gouvernement haïtien représentant Ariel traversé pour y aller dit et autorité dominicaine yo tant pis s'il plaît pas occuper nous c'est si moun k'ap jouer nous c'est yo qui chef c'est yo qui a pouvoir yo utilisé yon groupe contrebandier qui mettait tête avec Caracol ensemble avec un groupe multinational qui gagne un projet, l'argent a boissé, il a boissé drogue de frontières, il a fait trafic d'organes, il a fait tout ça de bon. Non, c'est ça, même Mounsa, il a baillé l'argent, il a utilisé un groupe mercenaire, il a crasé barrière de force. Nous disons, nous-mêmes, revendication pas nous, c'est revendication droits humains, c'est revendication moun qui est opprimé dans la société. Et voilà la déclaration Dionel Germain concernant la situation qui a passé dans Wanamet à Darbon. N'a fait qu'on est là, n'a prendre là, mais tout cas hier soir, dimanche, tant que t'es gampil coup de balle qui t'a tiré dans Wanamet, car tu t'as boulé tout, information, il fait quoi, qu'un monde qui t'a, une victime en babal, selon information que nous, capables, mais faire crédit là, mais nous, gué pour nous chercher plus de détails sur ça, avant même, journal l'en fini, pour nous informer davantage. Vous dites quoi, journal Méga Matin. Une situation qui a quelques semaines là, mais ça pour nous dire bien, situation ça vient, mais décision ça vient suite avec comportement autorité dominicaine qui a gagné contre compatriotes haïtiens dans la façon qu'il a déporté yo, et c'est ça qui se levait collé la caille haïtienne qui n'a pas mettre qui partageait frontière avec la caille voisine d'Abonne, et puis situation ça lui-même qui depuis lors décision qui prend pour capable fermer barrière marché qui entre Haïti avec ses domaines, et ça qui crée un pile problème et nous tendez comment situation lui-même lié l'autre boa et dans cas ça gagne pile question qu'a posé qui sa autorité concerné au même a dit sous ça et qui sont décidés par rapport avec situation qui a passé bon côté compatriotes nous la caille voisin toujours été sous même dossier ça gagne directrice départementale environnement Nordesla Woodline Pierre qui c'est mon plateforme ça qui a annoncé lui remettre démission le ministre environnement James Cadet pour le cas libre pour bataille bon côté population Wanamet là Woodline Pierre fait qu'on ait conviction patriotique clip il faut passer service l'état baina l'état indignation conviction pas permettre les continuer à servir l'état qui mettait l'argent avant moun en côté Woodline Pierre. Lundi, nous avons décidé pour les bétons, pour nous soutenir, pour nous dire, République Dominicaine, et spécialement Abinader, pays pas qu'à fin écrit, ratifier des conventions pour la violer. La violer, non, dans le sentiment abouti en bouille, pour nous créer des décrets qui coûtent trop de conventions. Abinader, décret ça, c'est décret chocouel, c'est décret criminel. Nous-mêmes, Haïtiens, nous pas accepter ça, nous ne pas accepter forme de déportation. Pour nous dire tout, nous pas qu'il y ait problème avec déportation. Nous avons un problème avec forme de déportation. Nous avons un problème parce que nous décidons en République Dominicaine, Haïtiens, pas monde, Haïtiens, pas mérité traitement monde. Comme monde qui se fait 6 jours sous moi, qui a gardé. Jean compatriote nous a vini, pieds nus, torse nus, si bébé a vini sans parents, parents a vini, yon prenons dans la rue, si bébé est dans la caille, moi-même, moi révolté, moi indigné, moi offusqué, et me décider, sortir dans l'indignation, pour me passer à l'action. Je nous connais, moi-même, c'est un fonctionnaire d'État, moi gagne devoir de réserve, mais sentiment patriotique, conviction patriotique, plus fort que le service pour être bail dans l'État. C'est nécessaire aujourd'hui, moi écrit déjà, et supérieur hiérarchique, moi décide de bail. Démission, comme directrice départementale, dans le ministère de l'Environnement,